des matchs de foot. Et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. On est impatient de savoir qui va l'emporter aujourd'hui. La réponse, tout de suite. Welcome everybody, this is Anfield. Nous sommes installés dans cette enceinte mythique de Liverpool. La team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la Première Ligue, Liverpool contre Arsenal. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Côté Liverpool, voici donc le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Alisson, Mohamed Salah sera avec Luis Diaz sur les ailes et on termine avec Darwin Núñez, seul en pointe. Il est en bonne position. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Ah, il y a une faute là et un coup franc pour Liverpool. Les joueurs qui vont débuter côté Gunners. Kai Havertz sera épaulé par Declan Rice au milieu. Et enfin, devant, c'est Gabriel Jesus. William Saliba. Le ballon pour Bukayo Saka. Un focus sur Mo Salah, un artiste. Je vous coupe, c'est bien joué ça. Et non, quelle opportunité d'ouvrir le score dans ce match. Gros manque de sang-froid hein, sur cette situation. Pourtant très favorable. En tout cas, c'est complètement loupé. Pour McAllister. Salah. Le ballon pour Mohamed Salah. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ballon pour Martinelli. Ah, l'intervention risquée, mais le tacle est parfait. Ah, il y a un bon pressing. Et c'est bien donné dans la profondeur. À l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Excellente prise de balle. Oh, attention! Goal! Et voilà le premier but de ce match. Celui qui fait beaucoup de bien au mental. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le jeu reprend après ce but concédé par Arsenal. Martinelli. L'arbitre laisse jouer. Avantage pour Liverpool. Oh, le tir de loin. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. C'est un arrêt très important parce qu'il maintient l'équipe en vie à un petit but de l'égalisation. Attention à cette bonne passe. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Un ballon pour Salah. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Une minute d'arrêt de jeu. Et l'arbitre siffle la mi-temps ici à Anfield. Alors, sans vouloir lui porter la poisse, évidemment, pour l'instant, il faut le souligner, sa prestation, elle est enthousiasmante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe, une belle récompense après son excellente première période.
Début de la seconde période, Arsenal court après ce but de retard. Ouais, bien défendu, sans faute. Oh, c'est un bon ballon, ça. Oh, le but! Quelle finesse! Quel artiste! Le petit ballon en douceur, c'est magnifique! La balle dessinait une hyperbole au-dessus de sa tête. C'est de l'art et de la géométrie en même temps. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Martinelli. Ballon pour retrouver la possession. Ah, il y a une faute là, et un coup franc pour Liverpool. Alexander Arnold. Ballon Konaté. Mo Salah. Ah, bien joué, il efface son vis-à-vis. Mo Salah, la frappe! Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Allons vers la surface. Bien joué de la part. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ah, il est bien frappé ce corner. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Ah, une possibilité là pour centrer. Salah en bonne position. Ouh, c'est beau, mais c'est raté. Ou c'est moche. Non, la balle a une belle trajectoire. Et l'intention était magnifique. Declan Rice. Gabriel Martinelli. Et le bon centre là peut-être. Et le centre en retrait dans la surface. Ouh, c'est contré, in extremis. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et une occasion de contre à négocier. Saliba. Là, c'est pour Gabriel. Gabriel Jesus. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Salah. Le ballon sur Mohamed Salah. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. C'est pour Salah en bonne position. Le petit ballon piqué. Le ballon sauvé sur la ligne. Ça sort, c'est corner. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est tiré par Alexander Arnold. Et le gardien qui écarte bien le danger. Alexander Arnold avec le ballon. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Il faut centrer là-dessus. Et le gardien était bien vigilant. Saka qui s'applique. Pas vraiment de danger là sur ce camp. La fin du match et voilà une bonne opération pour Liverpool avec les 3 points de la victoire.
Une victoire par deux buts d'écart, c'est une victoire nette. Le signe d'un match parfaitement maîtrisé. Et voilà, là, c'est Mohamed Salah. Et l'Égyptien, on l'a senti très concerné, très impliqué. Son but a été un élément très important dans la victoire de son équipe. Un but, c'est toujours contagieux, énergisant.